du parti Vision Burkina, parti pacifiste. Bonsoir, monsieur Sessouma. Bonsoir, madame Kaoré. Alors, votre première filière d'études, hein, c'est la géographie. Absolument. À l'université de Ouagadougou. Absolument. Puis par la suite, hein, c'est le domaine du journalisme et de la communication. Exact. Pourquoi ce revirement? Ah, vous savez, c'était l'époque, il y a très longtemps, en 78. Bon, après le bac, on était quasiment assuré d'avoir un poste dans la fonction publique parce qu'il n'y avait pas assez de cadres. Et bien qu'ayant fait un bac D, j'ai été orienté en géographie à l'université de Ouagadougou. Sauf qu'à cette époque-là, comme on avait le choix, les jeunes ne savaient qu'aller en géographie ou en lettres modernes ou en linguistique, c'était forcément aller à l'enseignement. Et on n'aimait pas l'enseignement. On voulait autre chose. Mais je ne sais pas, parce que l'enseignement, c'est un métier ingrat et malheureusement mal reconnu. Malheureusement. Même à l'époque? Même à l'époque, déjà à l'époque. Donc les gens cherchaient un peu des échappatoires. C'est ainsi quand le concours du CST de Dakar s'est présenté. Ben, je l'ai passé, j'ai été reçu. Et bizarrement, je ne voulais même pas y aller quand j'ai eu le concours. Parce qu'entre-temps, comme ça a marché en géographie, sans travailler, sans faire trop d'efforts, j'ai passé en deuxième année. Je me suis dit, ben, pourquoi me fatiguer encore aller recommencer ailleurs? Et c'est là qu'on m'a convaincu, mais Pascal, ce n'est pas possible là. Mais attends, on te dit d'aller faire 3 ans, plus un stage aux États-Unis, au Canada et en France, et ainsi de suite. Tu reviens en A1. Tu as laissé ça pour aller faire géographie, ou tu vas faire une maîtrise après un DEA pour au moins avoir ce grade-là. Non, mais et puis journalisme, c'est très bien. Je me suis renseigné, effectivement, c'était bien. Malheureusement, je suis allé faire la formation, ça s'est très bien passé. Je suis revenu, j'étais en A1, comme la plupart des diplômés du CESTI. Et en 88, pendant que j'étais au Canada, il se trouve qu'il y a eu une ZATU qui a été prise, Madame Kaoré, pour déclasser les diplômés du CESTI de Dakar. De A3, de A1, on les amène à A3. Il y avait une raison particulière à c'est cela. C'est ça que j'ai cherché à comprendre. Mm-hmm. C'était politique. C'est la raison pour laquelle, parce que les diplômés du CESTI, c'était des journalistes aguerris, mais libres d'esprit. Mais le régime de Blaise Compaoré qui venait d'assassiner Thomas Sankara, des gens qui étaient à côté, qui voulaient être dans les bonnes grâces du régime, qui étaient maintenant dans le pouvoir, qui avaient fait Bordeaux, Strasbourg et Lille, dont les diplômés de France, nous trouvaient que ce n'était pas normal que eux qui avaient fait des études de doctorat, machin, soit A1, avec le diplôme du CESTI, qui n'avaient que 3 ans, comme je disais, de formation, plus des stages. Et donc, ils ont réussi à faire le déclassement. Ce n'est pas normal. Et c'est une injustice qui dure depuis 33 ans. Mais nous sommes en train de vouloir la réparer parce qu'il semble qu'il y a une jurisprudence là qui a été émise récemment, donc on va tenter de l'exploiter. Une affaire à suivre donc. Absolument. Et comment s'est fait l'intégration au niveau des médias, notamment ici à la chaîne nationale? Ça a été plus facile que prévu d'ailleurs. D'ailleurs, bon, une petite histoire, quand j'étais venu en vacances hein, en 97 là, je n'étais pas venu pour rester. J'étais venu en vacances, mais quand j'avais pris 3 mois de vacances, parce que j'avais beaucoup de choses à régler en famille, tout ça. Sauf que quand j'ai fini mes courses, le ministre de l'Information à l'époque, de la Communication, Mamoudou Drogo, qui est mon promotionnaire, me dit, écoute Pascal, tu as fini là, ben, écoute, va au moins à la télé là, va donner un coup de main aux jeunes là. Va, bon, tu as l'expérience, va leur montrer parce que c'est pas très, très, mais va leur donner. Je suis arrivé, je me suis présenté à la directrice qui me dit, écoute, monsieur Sessouma, je vous envoie à la rédaction. Je vais trouver là monsieur Younoussa Kinda, qui était mon stagiaire quand j'étais à Volta Vision, l'autre côté, là-bas, dans les années 80. Il me dit, mais grand frère, mais je peux rien vous apprendre. Je dis, non, je viens vous regarder travailler. À un moment donné, on me dit, écoute, tu peux repartir comme ça, présente le journal ne serait-ce qu'une fois. Je dis, ah non. Moi, au Canada, là, je n'étais pas présentateur de journal, j'étais grand reporter. Ce n'est pas pareil. Dis, ben, non. Vas-y, on peut te faire confiance, vas-y. Pouf, bon, sans être intégré, sans être fonctionnaire, je dis, OK. J'ai fait le journal, le 22h. Après, on dit, yeah. Ah non, il faut que tu reviennes faire le 13h. Après le 13h, les appels étaient tellement nombreux que le ministre me dit, Pascal, tu vois, tu ne peux pas repartir. Il faut que tu restes. Et c'est ainsi que vous êtes resté. J'ai dit, bon, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, écoutez, là-bas, oui, je suis à l'aise, mais on a qu'une seule patrie. C'est là où vous êtes né, c'est ici. J'ai dit, OK, je vais revenir dans mon pays. C'est ce que je suis revenu. Justement, vous avez donc été journaliste, présentateur ici à la RTB, comme je disais. D'abord, de 81 à 84, je crois, puis de 97 à 2001. C'est ça. Dites-nous un peu, quelle était l'ambiance et les conditions de travail à l'époque? Je vous donne un exemple, hein, Madame Kaoré. Quand je suis revenu du Canada, là, vous savez combien j'ai touché par mois, mon salaire? 30 000 francs CFA. Les piges? Absolument. J'étais considéré comme pigiste, tout simplement. Pourtant, ça ne valait même pas
le pressing pour mes vestes et mes cravates. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des avantages à côté? Non, justement. Il n'y a rien du tout. C'était le métier à l'époque. Vous, quand vous aimez quelque chose, vous êtes prêt à faire des sacrifices pour ça. C'est par la suite que le père à son homme qui limitait Yen a décidé quand même d'octroyer ce qu'on appelle le code vestimentaire. Parce qu'il s'est renseigné, mais est-ce que Pascal, là, ces vestes-là, qui les lui paye? Il dit non, c'est lui-même. Ses cravates aussi. Il dit ok, je vais accorder une prime vestimentaire. À l'époque combien? Oh, attendez, j'arrive avec l'histoire. C'était 50 000 francs qui étaient prévus pour les présentateurs. Sauf que les gens de la radio ont dit mais et nous? Les preneurs de son ont dit et nous? Les caméramans ont dit et nous? Ça s'est dilué à 11 000 francs, Madame Kaoré. Mais finalement, l'un dans l'autre. C'était compliqué. C'est pas pour ça que je suis parti. Mais je suis parti aussi en partie à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse ce métier-là. Vous savez, présentateur, là, dans toutes les chaînes de télé du monde, là, c'est l'âme de la chaîne. C'est quand un étranger arrive dans un pays, c'est par la télévision, le journal, qu'il sait qu'il est dans tel pays. Parce qu'un film, là, tu peux trouver le même film dans n'importe quelle chaîne, dans n'importe quel pays. Mais le journal télévisé, c'est l'âme du pays. C'est l'essence du pays. Si les journalistes présentateurs, là, s'ils sont maltraités, ça se ressent sur l'image de la chaîne. Justement, le problème existe toujours. Et on ne va pas s'attarder là-dessus. Hein. Mais quels étaient les rapports à l'époque entre la presse et les politiques? Est-ce que vous travaillez en toute liberté ou bien est-ce qu'il y avait trop souvent de l'immixtion ou bien une petite pression de la part des politiques? La pression, ça a toujours existé. Plus ou moins fortement, même du temps de la Révolution, du temps du CNR. J'ai eu l'occasion, l'insime honneur de discuter avec le capitaine Thomas Sankara, président du CNR à l'époque. Vous savez que la télé qui était à la radio, il y avait juste le mur du Conseil de l'Entente qui nous séparait. Justement. Il arrivait que quand la téléspectrice annonçait, le journal sera présenté par Do Pascal Sissouma, quand je sortais du studio pour aller déposer le journal pour celui qui a fait le 22h, je trouve le camarade président assis sur le bout de la table en train de m'attendre. Puis on discutait. Tantôt, il était d'accord avec ce que je disais, tantôt, il n'était pas d'accord. Et on pouvait discuter. Mais il était un homme intelligent, mais vif d'esprit, mais un débatteur hors pair. Pourquoi vous n'avez pas profité de soumettre le problème, par exemple, de l'habillement des présentateurs à l'époque, si vous avez eu l'occasion de discuter directement avec le président non, de Faso? À l'époque, on n'était pas nombreux. D'accord. On n'était pas nombreux. Et puis, c'était la révolution où, quand même, on ne demandait pas ce que l'État pouvait faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour l'État. C'est une époque où, quand même, c'était un état d'esprit différent. D'accord. On travaillait, on était heureux d'accompagner la révolution. Donc, Thomas Sankara, on discutait. Parfois, il arrivait qu'il influence certaines de mes décisions, mais parfois aussi, je n'étais pas d'accord avec lui. Et il l'acceptait. Difficilement, parfois. Par exemple, la question. Vous savez que, sous la révolution, il y avait le dégagement. Justement. Le conseil des ministres, là. Et bizarrement, la plupart du temps, ça tombait sur moi. Alors, un mercredi, quand j'ai dégagé pas mal de monde, au moins une quarantaine, j'ai trouvé le camarade président en train de m'attendre. J'ai dit, ah, camarade président, je peux vous poser une question. Ceux qu'on a dégagés là, est-ce qu'on les a entendus? Est-ce qu'on les a écoutés? Les camarades, c'est souvent, on fait confiance à ceux qui les ont dénoncés. Vous voyez un peu déjà comment les injustices ont commencé. Donc, il suffisait que vous ayez une dent contre quelqu'un, je vais te le dénoncer, sans qu'on ait vérifié quoi que ce soit, on dégageait la personne. Ce n'est pas normal. Voilà, quand il y a eu l'incendie de l'Observateur Parga, à l'époque, l'Observateur tout simplement, j'étais du journal encore, mais j'ai eu des mots très durs pour les CDR, pour ceux qui ont fait ça. Ben, Sankara qui a eu l'habitude de venir me voir, là, il n'est plus jamais revenu me voir. J'ai été convoqué au chef des CDR, on m'a tancé comme du poisson pourri. Comme le capitaine président n'est plus revenu me voir, là, moi j'ai eu peur. J'ai dit, même si Thomas Sankara ne vient plus me voir, à ce qu'il y a un problème. Voilà comment finalement j'ai préféré partir parce que j'avais peur pour ma vie. Alors, on va faire une transition justement pour entamer les sujets d'actualité. Et pour cette transition, je vous demanderai dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez lu le communiqué au lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo, le journaliste. Oh mon Dieu, c'est encore moi, ça te met encore sur la moi. La vidéo passe toujours sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça. Parce qu'au départ, on a pris ça comme un accident. Après tout, nous sommes ici, dans un studio, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Le gouvernement, le communiqué officiel dit qu'il s'agit d'un accident. Un accident, c'est peut-être vrai, on ne sait pas. On n'avait aucun élément pour dire que ce n'est pas un accident. Donc, ça a été présenté comme un accident. C'est par la suite, Madame Kaoré, qu'on a su ce qui s'est passé. Et cette semaine, c'était encore du journal. Je vous fais une confidence. À un moment donné, ce jour-là, j'ai dit, bon, je suis désolé, mais je vais repartir d'où je viens.
Vous ne voulez pas présenter le journal ce jour-là? Je ne voulais même pas. Je voulais quitter le Burkina. Je voulais repartir au Canada. Et Célestin Zongo, un de nos aînés, il est là. C'est lui qui me dit, Pascal, tu ne quitteras pas l'aéroport. Si tu fais ça, tu es foutu. Encaisse le coup, laisse le temps faire les choses. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais tellement choqué. Je crois que les journalistes là ne sont pas un problème pour aucun pays, pour aucun système. Si ça arrive, c'est que c'est le pays qui a un problème et c'est le système qui a un problème. Mais ce n'est pas la presse. Ce ne sont pas les journalistes. Donc vous êtes senti obligé, entre griffes, de le faire. On attend le choix. Vous êtes journaliste d'État, vous n'êtes pas dans le privé là. Sauf que, même dans ce cas-ci, il y a ce qu'on appelle dans notre métier, vous savez très bien, l'objection de conscience. Mais vous n'avez aucun élément probant. Parce que même quand il y a eu effectivement la preuve, peut-être que c'est un assassinat, il y a toujours le doute. Est-ce que finalement, vous dites, écoutez, il y a des gens qui sont chargés de faire la lumière sur cette affaire-là. Je ne peux pas me substituer à la justice. Justement, nous sommes 24 ans après les faits. Et par rapport à la personne de Norbert Zongo, quel souvenir gardez-vous de lui? Est-ce que vous le connaissiez à l'époque? Non, pas personnellement, mais je sais, j'ai lu souvent l'Indépendant. Intègre, avec des éditoriaux vrais, véridiques, à charge très souvent, évidemment, il était dans son rôle, mais c'était quelqu'un de véridique. C'était quelqu'un, au moins, qui donnait l'image d'être incorruptible. Et ça faisait quand même sa réputation. En tout cas, ce 13 décembre, il y a eu encore des hommages et des appels à la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez espoir que la vérité va éclater un jour? La vérité finit toujours par éclater. Même si dans le cas de Thomas Sankara, on n'a pas encore toute la vérité. Parce que le principal protagoniste, Blaise Compaoré, a refusé de témoigner, a refusé de se présenter. Mais j'aurais tellement aimé lui que j'ai défendu pendant la campagne électorale. Parce que j'ai dit, il n'a pas le droit de mourir en Côte d'Ivoire. J'aurais tellement aimé que Blaise Compaoré se présente en toute humilité devant un juge pour dire, monsieur le juge, me voici. Blaise Compaoré, je suis devant vous. Je peux répondre à vos questions. J'aurais tellement aimé ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et pour le dossier Norbert Zongo, vous avez donc espoir. Mais il y a aussi que un des principaux accusés a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Je parle de l'inculpé François Compaoré. Et est-ce que vraiment on peut espérer son extradition? Question à $1 million. Madame Kaoré, je ne sais pas. Vous savez, ce n'est pas simple. À mon humble avis, ce sera difficile. Tant que Blaise Compaoré sera en vie, il sera difficile de mettre la main sur François Compaoré. Mais il y a d'autres qui disent qu'on peut le juger par contumace. Ah, ça, c'est une autre procédure, tout à fait faisable. Mais qu'il se présente ici de lui-même ou par extradition de la France, là, tant que Blaise Compaoré sera en vie, ça me sera difficile. Je crois que ce sera difficile. Alors, justice pour Norbert Zongo, mais en attendant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, selon vous, des Norbert Zongo au Burkina? Autrement dit, est-ce que le journalisme d'investigation a encore sa place dans l'univers de la presse burkinabé aujourd'hui? Oui, plus que jamais. Vous voyez, je vous donne juste un petit exemple. Là. Pendant la période de la COVID-19, là, l'affaire de la ministre de la Santé qui a pleuré devant les députés, bon, c'est le travail d'un journaliste qui a amené cette révélation. Il ne faut pas l'oublier. Quelque part, on a besoin des journalistes d'investigation pour aller fouiner là où les autres ne peuvent pas aller. Mais ils dérangent tout le monde. Parce que c'est des gens qui sont investis d'une mission de découvrir la vérité. Or, la vérité, là, elle dérange énormément à ceux à qui elle ne profite pas. Donc, par conséquent, même cette histoire avec l'événement, le capitaine. On a parlé de 400 millions. L'événement était un journal sérieux. Ils ne peuvent pas sortir cette information-là sans l'avoir vérifiée au moins 3 fois, comme le dit notre code de déontologie. S'ils l'ont sorti, c'est qu'ils l'ont vérifié 3 fois de 3 sources différentes. Par conséquent, elle peut être prise très au sérieux. Maintenant, je crois savoir aussi que l'armée a bien dit qu'elle a lancé une enquête pour comprendre. Et tirer les conséquences. Nous allons attendre les conclusions de cette enquête-là. Il ne faut pas trop aller vite en besogne. On va attendre. Parce que l'armée ne peut pas non plus s'amuser à trépatouiller les résultats de cette enquête-là. Ce n'est pas possible. Pour sa propre crédibilité, et surtout quand seulement on demande l'effort de guerre de tout un chacun, il ne faut pas que cette affaire-là vienne être comme une tache d'ombre sur
le sacrifice de tout un peuple. Le commandement militaire, en tout cas, a reconnu que les accusations sont d'une extrême gravité. Exact. Et comme vous l'avez dit, les enquêtes sont en cours. Et avec la plus grande rigueur, cette affaire sera traitée et on va tirer les conséquences du droit. Et en attendant, de façon générale, puisque je vous ai posé la question sur le journalisme d'investigation, mais de façon générale, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le travail de la presse burkinabé? C'est un travail remarquable, avec le peu de moyens dont elle dispose. Vous savez, la personne, Madame Kaoré, je crois que quelque part là, les gens nous sommes dans un pays, vous à la télévision ici là, vous n'êtes pas, à mon humble avis, vous n'êtes pas des journalistes. Nous sommes des quoi? Vous êtes des fonctionnaires de l'information. C'est pas pareil. La nuance c'est quoi? La nuance c'est quoi? Le journaliste, il est totalement libre et indépendant. Et c'est quelqu'un qui est rémunéré à tel titre qu'il n'a même pas besoin d'aller frapper à la porte de quelqu'un parce qu'il veut être corrompu pour quelque chose. La femme la mieux payée aux États-Unis, elle est de la presse, Oprah Winfrey. C'est la seule femme capable dans un studio compter le nombre de personnes présentes pour dire à chacune d'entre vous, j'offre une voiture. Parce que c'est son travail, ça. Parce que son travail fait entrer de l'argent dans la chaîne. Elle est rémunérée en tant que telle. Mais ici, là, même si vous, Nathalie Kaoré, là, parce qu'on vous aime, parce qu'on vous suit, là, est-ce que vous avez un bonus parce que vous êtes une personne aimée par le public burkinabé? Non. Vous avez un salaire à la fin du mois. Peut-être que ça n'a pas commencé par moi. Mais justement, il est peut-être temps que ça change. Justement. On dit organe d'État. Ça ne doit pas être organe public. Ce n'est pas la même chose. Donc, je répète, vous êtes des fonctionnaires de l'information. Moi, j'ai eu la chance de connaître les deux mondes. Je vous donne un exemple juste. Quand j'étais journaliste au Canada, là, j'ai gagné plus qu'un député canadien. Voilà. Est-ce que ce sont les mêmes réalités? Mais justement, parce que j'étais bien traité, que quand j'ai été en Guinée, en reportage, là, quand on m'a offert une parcelle, j'ai eu le courage de dire non, merci, monsieur le président. Je n'ai pas besoin de ça. C'est quand vous êtes, comment dirais-je, à la merci des politiques qui peuvent vous avoir facilement. Et les politiques ont tout fait pour maintenir les journalistes et les hommes de presse là au bas de l'échelle pour pouvoir les manipuler pour avoir quelque chose. En tout cas, vous estimez que sur le plan du travail, les journalistes burkinabés font un travail remarquable, hein? Mais est-ce que vous ne trouvez pas peut-être qu'il y a quand même des aspects à améliorer? Tout n'est pas parfait. Heureusement que tout n'est pas parfait. Tout est perfectible. Oui, je crois qu'en matière de l'information, là, il y a d'abord quelque chose qui me tient à cœur. Et je ne sais pas pourquoi ce n'est pas appliqué. C'est la convention collective. Au niveau de la presse privée. Absolument. Et si elle est appliquée là-bas, la presse publique aussi pourra s'en servir. C'est au nom de la convention collective, Mme Kaoré, que l'attaché de presse de l'ambassade du Sénégal à Paris gagne plus que l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Parce que c'est des règles. Mais pourquoi est-ce qu'on a consenti des efforts pour que le magistrat puisse faire du bon travail? On n'est pas capable de constater la même chose pour les médias. Je crois peut-être que les magistrats se sont battus pour obtenir leurs choses, comme on les dit. Est-ce que vous pensez que les professionnels des médias, eux-mêmes, sont conscients de leur situation? Est-ce qu'ils font des efforts pour que cela change? Madame Kaoré, j'ai été témoin d'une scène inimaginable quelque part au Canada, où par solidarité pour un journal, pendant 2 jours, aucun journal n'est paru. Pas de journal télévisé, pas de journal radio, rien, aucun, rien. Là, les gens se sont rendus compte à quel point les médias sont importants. Vous voulez qu'on fasse ça? Ah, je n'ai pas dit ça. C'est un exemple que j'ai donné. D'accord. Levez-vous, battez-vous et vous obtiendrez quelque chose. Est-ce que les journalistes sont assez professionnels au Burkina? Quand on parle de respect, des règles de déontologie et d'éthique. Ils devraient l'être. Mais est-ce toujours le cas? C'est la question que je vous pose. Moi, je pense que certains le sont. Certains le sont. Mais comme en toute chose, il y en a qui aiment la facilité. Ben, allez-y comprendre. Vous savez, le journaliste, là, il agit en son âme et conscience. Hein. S'il décide une information, vous savez, c'est très facile de balancer une information à quelqu'un pour salir quelqu'un d'autre. Il faut vérifier. Mais si vous avez reçu quelque chose en contrepartie, vous n'avez même pas intérêt à vérifier. Vous allez balancer tel quel et assumer. Malheureusement, c'est ça aussi qui peut arriver. Dans un pays, quand on est pauvre, il faut comprendre que vous êtes facilement achetable.
Justement, en attendant, en tout cas, l'organe de régulation est désormais sur pied avec le décret présidentiel qui confirme à M. Abdoulaziz Bamogo à la tête du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Est-ce que, comme certains analystes, vous avez aussi déploré le fait que cette décision ait traîné avant de tomber? Écoutez, M. Bamogo avait été élu à l'époque là, quand c'était Damiba au pouvoir. Mm-hmm. Attends, il y a eu un changement. Le capitaine Ibrahim Traoré, il vient d'arriver là. Il n'est pas encore dans le rouage des institutions de la République. Il faut lui donner le temps de comprendre. Il a fallu cette histoire de RFI pour qu'on comprenne que, ben, il faut que... Par rapport à RFI là, moi là, je n'aurais pas prôné la suspension des RFI. Pas du tout. Ça a incité, pourquoi ? Ça a incité les gens même à aller écouter l'article, le journal en question, le reportage en question. On a fait une publicité à RFI. Exactement, ça n'en valait pas la peine. Si moi, j'avais un avis à donner par rapport à ça, si on estime que RFI a fauté par rapport à une information sur le Burkina Faso, j'aurais demandé aux autorités d'envoyer à l'ambassade du Burkina à Paris, là, de donner un visa permanent pour la jeunesse de RFI au Burkina Faso. Vous n'avez pas besoin de visa. Venez quand vous voulez, où vous voulez. Parce que toute information dans notre métier peut être diffusée, doit être vérifiée 3 fois, de 3 sources. Mm-hmm. Si on vous dit quelque chose là, ce n'est aller sur le terrain, aller à Djibo, aller à Falankountou, aller à Kenbo, allez-y à Solan, mais vous n'aurez aucune escorte, vous n'aurez aucune protection. Allez-y faire votre travail de recherche et d'information. Madame Corée, vous ne verrez personne d'ici. Ils ne viendront pas. Parce que leur ministre des Affaires étrangères leur dit, au-delà des zones, vous n'avez pas le droit d'aller dans la zone rouge. Vous allez faire quoi? Vous venez de les prendre à leur propre piège. C'est fini. En attendant, aujourd'hui, quelle régulation faut-il à cette presse étrangère-là qui agit de façon libre au niveau de notre pays? Il faut les laisser travailler. Même s'ils diffusent des informations erronées. Mais ils vont en payer le prix. Comment? Mais justement, c'est au gouvernement de trouver la parade. C'est à l'État de fixer les balises. Quand ils viennent là, ils ne viennent pas en cachette. Il y a un visa qui est là. Je pense qu'on doit établir les règles au départ. C'est simple comme bonjour. Vous pouvez faire votre travail comme vous voulez. Il n'y aura pas de censure. Mais dites la vérité. Dites la vérité. Il y a aussi la question des réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous êtes pour qu'on réduise les libertés en ligne au regard des dérapages et des infractions qui se font à travers ces canaux-là? Je vous fais un aveu. Je n'aime pas trop regarder les trucs sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est du faux, la plupart. Vous avez une seule et même personne qui s'écrit sous 10 identités, qui s'écrit, qui se répond, qui condamne, qui attaque. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Si, mais je préfère les articles de presse diffusés sur les réseaux sociaux. Mais pas les commentaires des internes. Ça, jamais. Très peu. Parce que ce n'est pas véridique. Ce n'est pas vrai. En attendant, il y a beaucoup qui prennent ces informations pour de l'argent comptant. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut réguler. Il faut réguler. Et je crois qu'il y a une loi d'ailleurs qui interdit maintenant la diffamation sur les réseaux sociaux. C'est déjà une très bonne décision. Mais est-ce qu'elle est appliquée, cette loi? Mais il faut qu'elle soit appliquée. C'est tellement facile d'être derrière un clavier, de faire du tort ou du mal à quelqu'un, et puis on dit, allez, ok, c'est monsieur Tartampion, et puis voilà. C'est pas vrai. Tartampion, il a un nom, il a un prénom, il a un contact, il a un visage. On ira le chercher. D'accord. Donc on estime aussi que le gouvernement pourrait agir en réduisant justement cette liberté de certains citoyens sur les réseaux sociaux. Non, non. On a vu des moments ici où on a même coupé les réseaux sociaux. Oui, ça peut arriver par nécessité momentanée et circonstancielle en fonction d'événements précis. Par exemple, on a assisté à des appels, à des messages haineux. C'est ce que je dis, c'est circonstanciel dans un moment donné. Le gouvernement, vous savez, rien n'est au-dessus de l'exécutif, hein. Rien, même pas rien. L'exécutif est au-dessus de tout. Ils prennent leurs décisions à leur âme et conscience en fonction de la nécessité du moment. C'est important ça. S'ils décident, s'ils estiment qu'à un moment donné, il faut réguler, qu'il faut faire ceci, écoutez, ils peuvent le faire sans même devoir s'en expliquer. Mais ils peuvent s'en expliquer s'ils le désirent, mais ils ne sont même pas obligés de le faire parce qu'ils sont responsables. Ils sont responsables. Ils assument. Tout simplement. Mais étant donné aussi qu'il y a une loi irrelative, est-ce que ce n'est pas à la justice aussi d'agir sans forcément attendre l'exécutif? C'est ce que j'ai dit. Si la justice ne s'auto-saisit pas et n'agit pas d'elle-même, l'exécutif est en droit de prendre les mesures qui s'imposent.
Alors, on va évoluer, M. Sessouma, dans cet entretien. Le 11 décembre vient de passer et c'était le jour marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina. À l'occasion, le chef de l'État s'est adressé au Burkinabé. Pour lui, c'est maintenant que la bataille a commencé pour l'indépendance totale de notre pays. Quelle lecture est-ce que vous avez fait sur la forme et le fond de son adresse à la nation? J'ai aimé les deux. Et la forme et le fond. Sobriété. Ce n'est pas la peine de développer un long discours avec des formules. Il a parlé simplement, tout simplement, dans un langage que tout le monde peut comprendre. Dans le fond aussi, ce qu'il a dit là, il a déjà répété, il a déjà dit ça devant les OSC et la classe politique. Et, donc, non, il est resté droit dans ses bottes, c'est le même discours. Pour simplifier là, il dit quoi? On n'a qu'une seule patrie. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant là. Le discours, il est simple. À chacun de faire son introspection et de voir dans quelle mesure il peut accompagner pour la libération du pays. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. Notre territoire est occupé. On dépend encore de l'aide internationale même pour notre propre survie économique et financière. Vous voyez qu'on n'est pas libre. Voilà. Et est-ce qu'un jour vraiment on sera libre? Si on le veut, on le peut. Comment? Mais justement, vous voyez qu'avec la souscription qu'il a demandée pour l'effort de guerre, Vous avez vu la mobilisation déjà, mais l'enthousiasme, ça commence par là, changement de mentalité. Ce n'est plus, c'est l'affaire de Inde, c'est aussi mon affaire, voilà. On aura l'occasion de parler des contributions pour l'effort de guerre. Mmh. On va parler de la question sécuritaire. Hein. Alors, récemment, on a vu que le drapeau burkinabé flotte à nouveau à Solenzo. Et ce vendredi encore, on a appris que l'armée a neutralisé au moins 39 terroristes, en tout cas dans les Bawa. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, comme beaucoup le pensent, que vraiment on assiste à une montée en puissance de notre armée? Il y a une amélioration de la situation. Ok, le drapeau monte, flotte à Solenzo, mais il est en train de descendre à Ndorola, chez moi. Oui, madame, tout le monde a fui. Oui, c'est des situations auxquelles il faut s'attendre voilà, quand même. Voilà, exactement. Donc, ils sont en train, on les a chassés de Solenzo, mais si on ne trouve pas un moyen de les bloquer pour qu'ils n'aillent pas s'installer ailleurs, ils vont aller s'installer dans les zones qui sont encore fragiles au point de vue sécuritaire. Ndorola, là, c'est à quelques kilomètres de la frontière du Mali. Mais heureux, mais je crois qu'on doit prendre toutes les mesures. On doit tout mettre en œuvre pour les empêcher de se balader dans cette zone-là, comme s'ils étaient dans leur jardin. Il y a une réorganisation de l'armée déjà. Et c'est une très bonne chose, parce que si déjà, à ce niveau-là, l'armée est mieux structurée, mieux organisée, ces gens-là vont se chercher ici. D'accord. Donc, pour vous, on est sur la bonne voie. Absolument. Il y a de l'espoir, en tout cas. L'autre sujet, cette semaine, le Premier ministre était en Russie. Très peu d'informations pour l'instant, en tout cas, au moment où nous enregistrons cette émission. Mais d'aucuns parlent d'un déplacement privé. Et qu'est-ce que cela pourrait symboliser, que ce déplacement soit privé ou pas? Le Premier ministre, dès qu'il a l'accord du président, il est libre d'aller même aux îles Marshall, s'il le désire. Bien sûr. Mais alors, ça me pose des questions. C'est lui qui sait pourquoi il est là-bas. S'il veut bien communiquer là-dessus, alors tant mieux. S'il ne veut pas communiquer, mais libre à lui. On peut faire des suppositions, on peut faire des supputations, on peut faire des... Lui, il sait pourquoi il est parti. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'il est parti? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais est-ce que ce voyage pourrait être le début d'une nouvelle orientation de la coopération entre le Burkina et ses partenaires? Il a bien dit qu'il est temps pour le Burkina Faso de diversifier ses partenaires, non? Si c'est dans ce cadre-là, il est dans son droit. Il est de l'exécutif. Il est dans son droit. Si maintenant ça dérange certaines personnes à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso, mais... C'est leur droit, mais c'est leur problème aussi. Et justement, ça semble déranger puisqu'il y a eu cette information qui a circulé faisant cas d'une supposée présence de Wagner au sud du Burkina Faso. C'est le président ghanéen qui l'a dit. Et jusque-là, on n'a pas d'information officielle. Hein, mais cela a valu en tout cas la convocation de l'ambassadeur du Ghana au niveau du ministère des Affaires étrangères et le rappel de notre ambassadeur, M. Perunoma. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements dans les rapports entre les deux pays? Je vous rappelle, Madame Kaoré, qu'au Mali, là, même le Mali n'a jamais reconnu officiellement qu'il y avait Wagner sur son territoire. Les États sont libres de jouer sur les mots par rapport à leur propre situation sécuritaire. Que le président du Ghana s'ingère dans notre affaire sécuritaire, oui et non. On fait frontière, oui, ce qui nous touche est susceptible de le toucher. Mais cela dit, moi, je m'interroge sur le fait qu'on s'inquiète qu'on puisse faire affaire avec Wagner. Soit dit en passant, moi, je ne suis pas favorable à Wagner. Hein.
personnellement. Vous êtes favorable. Je ne suis pas. Non, nous-mêmes. D'accord. Nous-mêmes ici. On peut très bien se parler de Warner, nous-mêmes ici. Okay. Cela dit, je me suis posé la question. Si à la place de Wagner, là, le Burkina Faso décidait par exemple de traiter avec Blackwater, c'était américaine, 20 000 personnes qui a opéré en Irak, en Afghanistan, et ainsi de suite, là, est-ce que c'était la même réaction? Je rappelle que la plus grande société privée militaire au monde là, se trouve en Angleterre, Jay Forrest, 500 000 membres depuis 2014, 145 pays. Ça n'émeut personne. Parce que c'est Wagner. Mais Wagner, mais c'est une société privée. Mais elle fait affaire avec qui veut bien faire affaire avec elle. Tout simplement. Mais selon vous, pourquoi est-ce que le président Ghanéen s'inquiète? Ça, il faudrait lui poser la question, Madame Kaoré. Moi, je crois que, quelque part, là, souvent, beaucoup de chefs d'État africains agissent un peu par personne interposée. C'est un peu le relais tampon avec des puissances. J'en sais rien. Wagner, c'est des soldats qui ils vendent leur service. Moi, j'ai dit encore une fois, moi, je ne suis pas favorable à Wagner. Honnêtement, non. Mais les États sont libres de coopérer avec qui ils veulent. Moi, si le Premier ministre est parti pour négocier des armes, parfaitement d'accord avec lui. C'est pour Wagner. Non, monsieur le Premier ministre, allez-y doucement parce que, attention. D'accord. Alors, c'est tout. En tout cas, avant Moscou, il semble que le chef du gouvernement a fait escale à Bamako. Et ce mercredi, c'est le président de l'ALT qui s'est rendu dans la capitale malienne. On sait que le Mali et la France, c'est entre griffes et la séparation de corps, comme on le dit. Et maintenant, c'est le rapprochement Burkina-Mali qui se réchauffe. Certains analystes voient en cela un bras de fer France-Russie via les pays du Sahel. Est-ce que c'est votre avis également? Nous sommes dans une situation de géopolitique. Justement. Vous savez, tous les États, là, quels qu'ils soient, veulent être positionnés au niveau des États africains. Voyez, notre pays a une position stratégique incroyablement enviable au centre, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est un enjeu pour eux. C'est pour ça que la France ne peut pas se permettre de perdre le Burkina Faso. Elle ne peut pas. C'est l'occasion qui est belle pour tout négocier, tout renégocier avec la France. Ils ne peuvent pas se le permettre, Madame Kaoré. Le Mali et le Burkina ont 1000 km de frontière. Hey, moi, Norola est à quelques 45 km de la frontière du Mali. Les équipes de football jouent ensemble, courir avec Norola. Mais écoutez, lors de la campagne électorale, Madame Kaoré, j'ai été le seul candidat qui s'est approché à moins de 10 km de la frontière du Mali, à Morolaba. Peut-être c'est parce que c'est votre zone. Les djihadistes sont venus lors de mon meeting, là-bas. Ils sont venus, là. Ils ont tourné, ils se sont renseignés. On leur a dit non, c'est notre neveu qui est venu, la campagne. Ah, il veut devenir président, yallah. Puis ils sont repartis. Je pense que, quelque part là, c'est le même peuple de part et d'autre de cette frontière là. On ne peut pas nous demander de ne pas traiter avec le Mali. Ce n'est pas possible. D'accord. Et revenons à l'actualité au plan national. Alors, une délégation de l'ALT était justement cette semaine à Arbinda, dans le Souma, pour remonter le moral des soldats et des VDP. Et par la suite, la même délégation était du côté de Kaya, où elle a remis 100 tonnes de vivres au PDI. Et quel est votre commentaire par rapport à cette sortie de l'ALT dans cette zone difficile? Oui, elle rappelle quand même à ceux comme moi qui étions contre la mise en place de l'ALT. Justement. Oui. Bon, elle est aussi dans son rôle de montrer qu'elle est quand même dans une démarche républicaine de soutien aux personnes déplacées internes. D'accord. C'est un acte positif, à prendre positivement. Et je les exhorte à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Moi, je crois que les honorables, moi, je ne les appelle pas députés, mais bon, on va les appeler députés quand même. OK. Pas de problème. Continuez. Allez-y là où vous pouvez aller pour encourager ceux qui sont dans la détresse. Parce que quelque part, vous allez rappeler quand même que vous êtes le représentant aussi au niveau de cette assemblée législative. Et pour l'effort de guerre, justement, on en a un peu parlé. C'est tout le peuple qui est sollicité aujourd'hui. Le gouvernement a proposé récemment le prélèvement de 1% des salaires des agents du public, tout comme du privé, comme contribution à l'effort de guerre. Mmh. Est-ce que c'est une proposition que vous saluez? Absolument. Et je dirais même qu'il faudrait aller au-delà. Faire quoi encore? Oh, il y a des sociétés qu'il faut taxer. Pas lourdement, sur la base de 1%, Madame Kaoré, j'ai mené une réflexion. On peut trouver facilement 122 milliards. Facilement, sans coup férir. Juste ici, 122 milliards en un an. Sur la base de 1%. Vous savez, je prends juste un exemple, la téléphonie mobile. Par trimestre, la plus grande, Orange, fait 45 milliards
de chiffre d'affaires. La deuxième, Mouvla, 40 milliards de chiffre d'affaires. La dernière, Telecel, 10 milliards de chiffre d'affaires. Tous les trois mois, multipliez ça par 4. Prélevez 1% de ça. Ça fait beaucoup d'argent. Mais on peut le faire sur la base de quoi? Peut-être qu'il y a des accords qui ont déjà été signés. Et Madame Kaoré, l'exécutif est au-dessus de tout. C'est parce qu'il y a des Burkinabés qui sont là, qui ne sont pas morts, que vous faites votre argent. Pensez-y, messieurs. Ça, c'est un. Les transactions électroniques, le transfert d'argent. Dans l'espace UEMOA, je parle des chiffres du magazine de l'agence Ecofin basée à Genève et à Yaoundé. C'est 35 000 milliards de francs CFA. Madame Kaoré, chiffre de 2020. 35 000 milliards. Le Burkina Faso est deuxième après la Côte d'Ivoire. Avec 4 600 milliards de francs CFA. Prélevez 1% dessus, ça fait 46 milliards. Ça va. Il y a d'autres. Les cimenteries, les grosses. Il y a de l'argent à aller chercher. Il y a certains aussi qui estiment qu'il faut aussi supprimer certains fonds et avantages qui sont déjà alloués à certains corps de la fonction publique. Par tout exemple. Ça, là, ça rentre dans ces mesures de contribution. Ça ne tuera personne de perdre 10 000 ou 15 000 francs. Ça ne tuera personne. Et ça te fera vivre mieux peut-être. Et toujours en rapport avec la situation nationale, le chef de l'État a échangé entre-temps avec vous, les acteurs politiques. Et vous avez estimé que le message du président a été entendu, mais pas forcément compris. D'abord, je rectifie, je n'étais pas là-bas. Hein. Oui, mais quand je parle des acteurs politiques, okay, c'est dans leur globalité. C'est ça, je n'étais pas là-bas. Vous n'étiez pas là-bas, mais vous avez compris. Été au courant de tout ce qui a été dit là-bas. Le message, là, vous savez, on peut écouter quelqu'un, on peut entendre ce qu'il dit, mais... Est-ce qu'on a compris ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce que vous a fait dire que les gens ont entendu, mais ils n'ont pas compris? J'ai dit, j'ai posé la question. Ont-ils compris? Je n'ai pas dit que... J'ai posé une question. Mais qu'est-ce qui vous amène à poser une telle question? Parce que justement, je les amène à s'approprier ce qu'il a dit. Voyez-vous, Madame Kaoré, nous sommes à un tournant de notre histoire, notre existence même. Voyez, lui qui était sur le terrain là, qui est descendu là, parce que justement, il y avait des problèmes sur lesquels il avait tiré la sonnette d'alarme et qui n'ont pas trouvé de solution. C'est pour ça qu'il est descendu, assumer ses responsabilités. Ce n'est pas lui seul qui s'est levé pour dire, je descends, on va faire un coup d'État. Il y a des gens avec lui qui ont subi le même problème là, qui l'ont lui peut-être dit, mon capitaine, ah, c'est nous, on regarde. On ne peut plus. C'est ça qui a fini par arriver. C'est lui là, on ne le soutient pas. Pour qu'il y arrive, là, on est foutu. Ça, c'est clair. Ceux qui attendent, je parle des hommes politiques, qui attendent qu'il y ait enfin une campagne électorale qui s'ouvre, et puis... Mais vous pouvez même pas avoir de campagne électorale s'il n'y a pas de pays. Que répondez-vous à ceux qui estiment que les hommes politiques sont les premiers responsables de la situation laquelle nous sommes aujourd'hui? Non. Attendez. Attention, Madame Kaoré. C'est une question que je pose. Ce pays-là, à 62 ans, les civils n'ont dirigé que pendant combien d'années? On va dire une bonne 15, 12, 13 ans. Tout le reste, c'était des militaires. Ce n'est pas seulement les hommes politiques. Ce n'est pas seulement les civils. Le président a bien insisté là-dessus. Nous sommes tous responsables, y compris les militaires eux-mêmes. Donc, par conséquent, c'est une responsabilité collective. D'accord. Parce que si on commence à faire du sectarisme là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Nous reconnaissons tous que nous sommes responsables. Voilà. Tout le monde est responsable, comme vous l'avez dit. Mais sur la question, par exemple, des réformes politiques, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? J'ai lu quelque part que vous êtes pour que l'armée soit impliquée dans le processus électoral. Ah oui. Que c'est la seule façon d'éviter les coups d'État. Madame Kaoré, c'est une conviction profonde à la personne de Kim Drodo Pascal Sissouma. Si on laisse... Le processus tel qu'il est, avec les élections à venir, qu'importe le moment où les élections vont se tenir, là, il faut qu'on implique obligatoirement l'armée là-dedans. En ce sens que, non seulement dans l'organisation, dans la sécurisation, dans la collecte des résultats, et à acheminer maintenant à la structure qui sera chargée de la proclamation des résultats. Et même que, je suis favorable, moi, tout militaire qui le désire, il enlève les galons, il enlève l'uniforme, il se présente. Terminé. C'est parce que les militaires ne se sont pas présentés jusque-là à des élections qu'on assiste à des coups d'État? C'est parce ce que vous voulez dire? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si l'élection n'est pas transparente, si elle n'est pas crédible, il y aura la malgouvernance. Parce que quelqu'un qui sort de l'argent, Madame Kaoré, pour se faire élire, parce que surtout les hommes d'affaires qui passent par des hommes politiques là pour se faire élire, c'est pour avoir des marchés. Quand vous investissez, c'est pour avoir un retour d'investissement. Quand vous dépensez, c'est pour avoir un bénéfice.
C'est ça qui amène la corruption. C'est tant que la corruption régnera, on n'est pas à l'abri des coups d'État. Mais si l'armée est impliquée dans le processus électoral, je me demande par où on va passer là pour avoir des élections truquées. En 78, moi j'ai voté pour la première fois, j'avais 21 ans. C'était un colonel qui organisait les élections contre un général et un civil, en ballotage. Je vous donne un exemple, juste pour que vous compreniez à quel point, quand c'est l'armée là, on peut faire confiance. Au deuxième tour, Lamizana, le général, il a demandé à prendre l'hélicoptère, le seul hélicoptère de l'armée qui pour faire campagne. Le colonel Sorian qui organise l'élection a dit, hey, mon général, dans ce cas, trouvez un hélicoptère aussi à votre challenger. Il dit, mais il n'y en a pas, il y en a juste un seul. Donc vous allez faire la campagne par la route comme lui. Vous voyez à quel point c'est fort. Il n'y a que l'armée qui peut faire ça. D'accord. Parlons à présent de l'actualité de votre parti, Vision Burkina Parti Pacifiste. Depuis les élections, on ne vous sent plus tellement engagé sur la scène politique. Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que l'activisme politique est suspendu. Je vous le rappelle. Hein. Non, mais on voit quand même oui, l'activité politique. Mais attendez, le 14 mai, ma conférence de presse où j'ai donné 4 sur 10 à Damiba. Vous n'avez pas suivi ça? C'était jusqu'en mai, justement. Mais justement... Mais on ne peut pas toujours être à campagne quand même là. La campagne est finie. Vous savez, nous sommes en train de nous réorganiser. Ce n'est pas un problème. Récemment, je suis sorti encore avec des camarades là pour dénoncer l'exclusion dont sont victimes certains partis politiques au niveau donc, de la transition. Donc quelque part là quand même, nous essayons de faire notre part. Est-ce que vous êtes prêt encore à vous présenter à des élections au regard de l'expérience, pour ne pas dire de l'échec de 2020? De votre parti. C'est Mandela qui a dit, il n'y a pas d'échec dans quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours de l'apprentissage. Et quand on apprend, on gagne toujours. Vous n'avez obtenu que 20 000 et quelques voix, je me rappelle. Mais madame Kaoré, il ne faut pas voir le nombre de voix. Il faut voir que c'était une expérience unique. Un parti qui n'a même pas 2 ans, première année d'existence, premières élections législatives et présidentielles. C'est quand même un exploit, ça. Quel enseignement vous tirez de cette participation? Ça m'a permis de comprendre le jeu politique au Burkina Faso. Vous pensez que vous allez mieux faire prochainement? Si, prochainement, oui. C'est Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait, Madame Kaoré. Il n'en sait rien. C'est tout. D'accord. Et d'aucuns estiment justement que cette transition est l'occasion pour faire des réformes politiques, notamment revoir par exemple le nombre des partis politiques. Peut-être que vous serez contraint d'une certaine façon à rejoindre un parti, un méga parti, si je peux m'exprimer ainsi. Oh, les méga partis là, vous savez, ils sont tous tombés, hein, les méga partis. Vous connaissez un parti qui est debout actuellement? Ils étaient combien à l'Assemblée? Ils sont combien? Non. Il y a plus de méga. Je voudrais vous dire que tous les partis politiques aujourd'hui sont sur le pied. Absolument. La loi 032 consacre l'égalité des partis politiques sur le plan national. Oui, ça c'est la loi, mais la réalité est tout autre. Mais la réalité est tout autre. Il faudrait que l'esprit de la loi aussi soit appliqué. D'accord. Parce qu'en réalité, là, il n'y a plus de méga partis. Ils sont où les militants de ces méga partis-là? Ils sont où? Ils sont sous la table. Tout simplement, comme nous, comme tout le monde. Tout le monde est couché. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous mentir ici en disant un tel parti. Ce n'est pas vrai, ça n'existe plus, les méga partis. Alors, qu'est-ce qui se passe entre votre parti, pour ne pas dire votre personne, et l'ex-EFOP? Ah, je ne citerai pas de nom, mais il y a... Non, il y a une mésentente totale sur la gestion, sur la conduite de certaines affaires. Qu'est-ce que vous reprochez? Non, Madame Kaoré, d'abord, les composantes là, dont on parle là, elles n'ont plus leur raison d'être. Pourquoi? Ex-majorité. Il y a une majorité encore. Non, ça ne veut pas que j'ai dit ex-EFOP. Ex-EFOP. Mais il y a plus de... Quand il y a ex là, ça veut dire que c'est mort. Vous comprenez? Mm-hmm. Quand on dit ex là, c'est fini. Ça n'existe plus. Quand même, il y a des réunions qui se tiennent. Mais les réunions... Je crois que le ministère là, gagnerait à réactualiser même les listes des membres de ces différentes composantes là. Quand je suis arrivé au CFOP, on était à peu près une quarantaine de partis affiliés à l'ex-EFOP. Aujourd'hui là, il n'en restait plus que 12, 13 ou 14 tout au plus. Or, on continue de parler comme c'était un méga truc, une méga structure. Pas du tout. Demandez à la majorité, ils sont combien aujourd'hui? Les partis qui ont quitté là, ils sont plus nombreux qu'on le pense. Donc, on n'a pas à réactualiser les listes. Et des gens s'accrochent à ce pouvoir-là pour dire, je représente l'ex. Mais vous ne représentez que vous-même votre parti. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la réalité. Vous ne pouvez pas parler au nom de notre parti. C'est pas possible. Est-ce que vos récriminations contre l'ex-EFOP ne sont pas dues au fait que vous n'avez pas peut-être été associé à, par exemple, à la participation aux assises nationales ou même au niveau des organes de la transition? Alors, c'est là la question de pourquoi est-ce que d'autres ont été associés et pas moi? Mais tout le monde ne pouvait pas être associé. Non, ici, là, ce n'était pas une question de nombre. La difficulté, c'est que moi, j'ai refusé, comment dirais-je, de me soumettre à lui. Je ne me soumets pas à quelqu'un d'autre.
Impossible, Madame Kaoré. Il est président d'un parti, CDP, je dirais, et encore, point d'interrogation. Lui, là, on ne peut pas lui demander à lui de décider que tel parti part et tel parti ne part pas. C'est contraire à l'esprit de la charte qui parle d'équité et d'inclusion. Est-ce que c'est vous seul qui voyez cela ou bien c'est le sentiment aussi des autres partis et de l'ex-EFOP? Vous savez, le jour où il y a eu l'altercation entre lui et moi dans son bureau, parce que j'ai osé demander pourquoi on tient une réunion dans son bureau privé, alors que le chef du CDP a quelques encablures de là, il m'a manqué totalement de respect comme si j'étais son enfant ou bien son employé. Je n'accepte pas ça. Il faut qu'on se respecte mutuellement. En se respectant, on peut discuter. Si on peut discuter, on peut se comprendre. Si on peut se comprendre, on peut s'entendre. Mais là, je n'accepte pas que quelqu'un me traite comme si j'étais moins que rien. Ce n'est pas vrai. Il était candidat en 2020, j'étais candidat en 2020. Non, mais vous n'avez pas obtenu les mêmes résultats. Est-ce que vous pouvez vous comparer sur le plan de Madame des élections? Madame Kaoré, OK, puisque je vous pose une question. Lui, il était président, candidat d'un parti. Mm-hmm. Pouvez-vous me dire, vous, là où vous êtes là, qui a voté pour lui et qui a voté pour quelqu'un d'autre, membre du parti là-bas? Achille Tabsoba, Yaya Zongrana, comment il s'appelle encore, Badini. Vous pouvez me dire qui a voté pour eux? Vous voyez que le compte là, si on fait le décompte là, attention, on pourrait avoir des surprises. Donc on estime que vous avez peut-être un problème personnel avec M. Edi Kombouyego. Non, c'est lui qui a un problème avec moi. Je lui reproche de ne pas pouvoir gérer correctement les hommes qu'il a la responsabilité de conduire, malheureusement. Je ne suis pas le seul. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ont quitté son parti? Pourquoi? Voilà, posez-vous la question. C'est vous pas juste avec moi. Vous réjouissez pour ça. Oh mon Dieu, moi, le CDP, c'est un parti qui m'est totalement étranger. Pendant toute ma carrière, j'ai refusé d'y adhérer. Et j'ai même eu des plumes, j'ai même perdu des choses à cause de ça. Mais je suis resté droit dans mes bottes. Je n'agis que par conviction, Madame Kaoré. Je suis un homme de conviction. Je suis pas convaincu. J'ai même refusé de travailler avec Blaise Compaoré, moi. J'ai refusé. On m'a fait un poste, j'ai refusé. Deux fois plutôt qu'une. Je suis un homme de quand je suis pas convaincu, je ne pars pas. C'est tout. Je suis comme ça. Aujourd'hui, votre parti est toujours membre de l'ex-EFOP, même si vous dites que ça n'existe plus. Je n'ai pas quitté. Et ils ne m'ont pas non plus supprimé de la plateforme d'information. Ça veut dire que quelque part, mais ça ne m'a pas empêché avec des camarades venus d'autres composantes de me réunir le 8 décembre là, pour lancer un cadre de réflexion là, pour une participation plus inclusive justement des partis de formation politique pour accompagner la transition. Ah, ça peut être quoi concrètement? Quoi? La réflexion dont vous venez de parler. Demander au MATDS là, de revoir le mode de fonctionnement des composantes. Mm-hmm. Parce que les composantes, pour nous, actuellement, pour moi personnellement, c'est devenu un non-sens. Ça n'existe plus. Officiellement, c'est caduque. La base sur laquelle elles avaient été faites là ne tient plus debout. Il faut quelque chose de plus inclusif. Le président Traoré a demandé l'accompagnement. Il a demandé un rassemblement autour de sa personne. Ce n'est pas le moment de faire du sectarisme pour écarter d'autres. Sans raison, sans motif, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous idéologiquement ou de la façon managériale. Ce n'est pas possible. Justement, le président du FASO, le président de la transition a demandé l'accompagnement de tout le monde. Vous, personnellement, ou bien au niveau du parti Vision Burkina, qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner? D'abord, en essayant d'être de meilleurs citoyens. D'abord, je vais vous dire une chose, madame, c'est vrai. Vous savez, quand il y a eu les événements à l'ambassade de France, tout ça là, j'ai appelé certains de mes camarades, les jeunes, là. J'ai dit, est-ce que vous étiez dedans? Vous avez manifesté à Boubou? Vous avez manifesté à Ouara? Si vous l'avez fait, là, ne vous mêlez plus de ça, s'il vous plaît. Non, non. Vous ne rendez pas service au président Traoré en faisant ça. Donc, votre contribution, c'est la sensibilisation. D'abord. J'ai dit, si vous voulez lui rendre service, là, il faut quitter dans ça. Il n'est pas dans leur langage. Parce que, quelque part, vous le fragilisez. Vous êtes en train de faire en sorte que les puissances occidentales se retournent contre lui. Alors qu'il n'a pas besoin de ça. On peut manifester sans casser. On peut manifester sans brûler. On peut faire. N'oublions pas que les enclaves diplomatiques, là, sont protégées et sacrées. Il faut faire attention. C'est comme une agression contre la France. Il faut éviter ça. Écoutez, vous pouvez manifester contre Macron. Mais ce n'est pas les Français qui sont mauvais. C'est leur système, peut-être, qui est mauvais. C'est leur gouvernement, peut-être, qui est mauvais. Mais le Français, là, le Français qui vit ici, là, il n'a rien à voir avec le système Macron. Lui, il vit avec nous depuis des années. Il est devenu burkinabé même de cœur d'attribution. Ce n'est pas la peine de s'en prendre à lui. Alors, vous avez fait ce travail, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez été compris? Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Ce que j'ai pu toucher, oui, je crois que oui. Parce que quelque part, après ça, mais il y a eu une autre manifestation, il s'est passé. Aucun de mes militants n'a participé à ça.
aucun. Et ça m'a... Oui, d'accord, c'est ça que je veux. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. S'il y a un mot d'ordre du président, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le président qui a dit d'aller casser. Ne lui faites pas dire que c'est lui. Ce n'est pas vrai. Il n'a, au contraire, vous le fragilisez, vous lui faites du tort. Donc, concrètement, vous faites de la sensibilisation comme contribution. Et aussi, dans l'affaire de VDP, on m'a appelé pour demander, écoutez, ça c'est personnel ça. Si vous vous sentez de cœur pour y aller, allez-y. Et vous-même? Oh non, j'ai déjà dit, moi là, en Ankaoré, vous savez quel âge j'ai? Non, on a vu des gens, je ne connais pas votre âge, mais on a vu des gens d'un certain âge qui se sont fait enrôler. Je ne rentre pas dans ce populisme-là. Ce n'est pas du populisme. J'arrive, Madame Kaoré. Vous savez combien pèse une Kalachnikov avec un chargeur de 30 coups? 4,8 kg. Vous savez combien pèse un gilet pare-balles qui peut éventuellement arrêter les balles de Kalachnikov? Entre 3 et 4 kilos. Vous multipliez ça, ça fait en gros 7 kilos, Madame Kaoré, à mon âge-là. Moi, j'ai dit, si on est vieux, et qu'on n'a pas la force pour aller au front, on peut contribuer autrement. Sortez le chéquier, papy et mamie. Sortez le chéquier, faites un chèque, contribution. Ça, c'est responsable. Ça, là, vous allez prendre au moins 2 ou 3 VDP en charge, là. Ça, ce sera salué. Non, non. Allez. C'est ce que vous pourriez faire, peut-être? Mais qui vous a dit que je ne l'ai pas encore fait? D'accord, dites-moi si vous l'avez fait. Non, non. Et puis, je précise qu'en principe, dans les pays où moi, j'ai su que ce système existait, là, c'est discret. Hein. Les gens ne s'affichent pas. Parce que vous devenez une cible. Pour ceux qui vous attaquent là, les gens ne s'affichent pas. C'est un soutien discret, efficace. On s'affiche. C'est ici que je vois les gens se pavaner. Doucement. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord. On est presque en fin d'émission. Déjà. Et justement, quel est votre mot pour terminer? Comment est-ce que vous voyez la suite de cette transition? Non, je crois que, Madame Kaoré, il y a des... velléité, semble-t-il, de gens qui n'ont pas encore digéré le fait que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige la transition. Paraît-il. Non, mais ça s'est passé. Non, mais vous croyez que tout le monde a encore... Tu sais, les gens, hein, ils sont ce qu'ils sont. Les ambitions cachées, j'en sais rien. Mais je vous dis que je suis homme politique, journaliste, j'ai encore mes sources d'information. Cette transition-là, ce coup d'État-là, sera le dernier. Il n'y en aura pas d'autre. Parce que déjà, si vous voulez attaquer Ibrahim Traoré, il faudra passer sur le corps de tous ces jeunes-là qui ont donné leur poitrine pour l'installer au pouvoir. Ça, c'est un. De deux, je vous donne une information confidentielle, mais sérieuse. Les pays qui ont envoyé des ambassadeurs ici au Burkina Faso, ils sont excédés par les coups d'État. Ils ont déjà, beaucoup de gens ont déjà décidé que s'il y a un contre-coup, ils vont tous rappeler leurs ambassadeurs. Tous. Et là, plus d'aide budgétaire. Plus de subventions, plus de dons. C'est 1200 milliards de francs CFA par an, Madame Kaoré. Faisons attention. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays-là, on risque d'avoir 3-4 mois sans salaire. Laissez le capitaine Traoré tranquille. Je vais parler en langage simple là, pour que les gens comprennent. On va aller troco jusqu'à la fin de la transition. Et puis, on pourra s'en sortir comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Tiendoro de Pascal Sessouma. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Et je rappelle que vous êtes un ancien journaliste et actuellement, vous êtes le président du Parti Vision Burkina, Parti Pacifiste. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour ce numéro de l'émission Sur la Brèche, sur la ETB. Merci à vous qui nous avez suivis et on se donne rendez-vous le dimanche prochain avec un autre invité. À très bientôt.